بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chapitre 218 باب الجود وفعل المعروف Chapitre الجود L'extrême générosité wa fi'l al ma'ruf et faire ban affaire qui ma'ruf ça veut dire ban quelque chose qui ban bon travail ma'ruf veut dire reconnu donc ce qui est reconnu par la charia comme étant ban bon travail wal ikthar min al khair et faire beaucoup ban bon travail al khair c'est le bien et faire beaucoup du bien fi shahri ramadan dans le mois de ramadan alors un chapitre là qui nous vient plus généreux nous faire ban bon action nous fait le bien dans Ramadan nous fait beaucoup même wa az-ziyadati min dhalika fil ashr al-awakhir minhu et qui nous augmente ça ça ban bon travail là nous augmente li dans 10 derniers jours de Ramadan alors on a des hadiths là non donc ça chapitre là nous trouve la ban hadith qui est entré là-dedans dans ban les autres chapitres qui finit entré à Ramadan et comment nous y apprendre une fois un chapitre kathrati turukil khair ça veut dire il y en a beaucoup ban différents chemins pour faire le bien alors hadith 1223 an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal rapporté par sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma li dit kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwad an-nas rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ti plus généreux parmi ban jimon ajwad ici c'est comment nous dire superlative, plus généreux. Ce mot normal, c'est joud. Alors, joud veut dire générosité, l'extrême générosité. Al-karam aussi veut dire générosité. Mais joud veut dire une générosité qui plus, donc les plus qui sadaqa. Une générosité qui nous donne ce qui méritait, ce qui pas mérité aussi. Et la fois, du monde demandé, nous donne zot. Donc ça, c'est un signe de générosité. Mais quand du monde pas demandé aussi, nous donne. Ça donc, l'ivin à l'autre niveau. Donc, joud, c'est l'extrême générosité. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il tient à plus joud qui tout ban du monde. Wa kana ajwadu ma yakounu fi ramadan. Ce générosité, il plus encore quand. Alors, il est plus généreux qui tout ban du monde, mais lui-même, qui moment qu'il vient plus généreux encore qu'il y normalement était, c'est dans ramadan, hina yalqahu Jibril. Quand Jibril alayhi salam joindre alors quand Jibril alayhi salam joindre lui il y a une activité spéciale qui je te fais dans Ramadan Jibril alayhi salam avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran et Jibril tu peux joindre lui dans chaque la nuit dans Ramadan et tu peux faire lui yudarisuhu veut dire les tu peux lire et Rasoul Sassam tu peux écouter donc si nous quand mettre lire dans nos langages tu peux faire lire révise Coran tu peux comment dire passer en revue Coran alors comment nous connaît Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Coran fin révélé lui donc Jibril alayhi salam tu peux venir tu peux relire comme ça il y a une consolidation et Allah subhanahu wa ta'ala connaît qui est encore là-dedans il y a beaucoup de quelque chose qui ban secret qui nous pas pour connaître mais là de nos niveaux nous comprenons comment certains manoulama expliquent nous que ça muda rasala ça veut dire comment dire une consolidation de ce qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et peut-être encore qui en avant les autres secrets man les autres quelque chose encore qui Allah subhanahu wa ta'ala a voyé fala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu jibril et rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand jibril tu besoin ni donc de savoir la nuit là pour faire mudarasa quran ajwadu bil khair min ar-rih al-mursala sa moment-là rasoul sallallahu alayhi wa sallam il est plus généreux dans le bien les plus généreux qui allo ici il prend l'exemple une métaphore les plus généreux qui ça la brise qui amène la pluie là allo ar-rih al-mursala c'est un bon la brise un bon divan qui ça même qui amène la pluie donc ça c'est un la brise qui tout du monde content parce que il amène la pluie surtout dans sa contexte là-bas là dans le désert. Donc, c'est la brise qui amène la pluie là, tout le monde content, Lisa. Alors, il est considéré comme quelque chose de bien généreux parce qu'il amène la pluie. Et la pluie, à l'époque là, ça,
dans sa place là, désert, la pluie, il veut dire la vie. La pluie, c'est l'abondance. La pluie veut dire tout quelque chose là, parce qu'il permet de l'eau et de l'eau, il y a un affaire important pour la vie. Donc, il est une pluie généreuse qui ça la brise qui amène la pluie là. Et quand il amène la pluie, ça la brise là, ça la pluie là, il tombe partout, il remplit partout avec du bien. Il n'est pas guetté quand il tombe. Il tombe partout. Et quand il tombe là, il fait du bien, il donne du monde de l'eau, il fait des plantes pousser, il fait l'agriculture, des animaux, il fait tout le reste gagner, comment dire, la vie là-dedans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus généreux que ça. D'après les paroles de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Alors, dans Ramadan, donc, nous venons plus généreux encore que nous étions. Dans Ramadan, nous faisons plus beaucoup khayrat encore, nous faisons plus beaucoup sadaqa. Dans Ramadan, donc, nous tiens nos zakat. C'est pour ça qu'il y a une des bonnes raisons. Une des bonnes raisons qui fait nous tiens zakat dans Ramadan. Dans Ramadan, nous venons plus bon. Ça veut dire, ben, les efforts qui nous fait, ben, les efforts qui nous fait nous-mêmes, qui est dans nos caractères, qui est dans nos, ben, ibadat. Ça veut dire nos relations avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Nos relations avec ben, Jimon. Nous amènent l'yoli. Parce que dans Ramadan, il y a une plus bonne disposition pour ça. Comment nous apprenons? La porte de Jannat ouverte, la porte de Jahannam fermée. Ben Shaitan enchaîné, ben Jimoun j'ai donné une meilleure disposition, Allah sur Rahmat spécial descend, Allah sur Barakat spécial descend. Donc ça Jimoun qui a envie de faire un petit effort en plus, il est capable de faire. Li. Allah donne tawfik pour faire. C'est pour ça que vous trouvez, musulman, dans Ramadan, généralement les plus bons. Les plus bons en termes d'ibadat, il y a un plus bon banda pour Allah, il fait plus beaucoup d'ibadat, plus bien. Et les plus bons envers ben les autres Jimoun, vous trouvez beaucoup plus de générosité, vous trouvez beaucoup plus ben élan de solidarité. Et bien sûr, quand du monde, donc, les gars de Rosa, ils viennent dans l'autre disposition, ils viennent dans l'autre état. Quand ils sont capables de faire le bien, plus encore. Alors, quand nous pouvons planifier nos Ramadan, nous avons besoin de faire lien de façon que nous guettons les temps. Nous avons besoin de prendre les temps plus. Par exemple, si nous habitons les temps Coran, en dehors de Ramadan, dans Ramadan, nous avons besoin de venir plus. Nous habitons les temps ben Azkar, dans Ramadan, en dehors de Ramadan, dans Ramadan, nous avons besoin de plus. Nous tahajjud, comme a été en dehors de Ramadan, dans Ramadan, nous avons une plus. Comme ça encore, ben, différents namaz, par exemple, ben, namaz, cinq namaz obligatoires qui nous fait, façon qui nous fait dans Ramadan, nous pouvons améliorer un petit plus. Là, avec l'espoir pour qui, quand nous sortons en dehors Ramadan, un petit ça upgrading qui nous fait là, il est pour rester. Alors, il n'est pas peut-être pas pour rester 100%, mais seulement au moins un petit ça l'habitude de nous gagner là, ça tise faux en plus de nous gagner. Un petit là, nous récolter, nous sortir. Finalement, quand nous sortons en dehors de Ramadan, nous venons un meilleur du monde. Qui est dans nos relations vis-à-vis Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est dans nos relations vis-à-vis du monde, nous avons une mauvaise habitude qui nous est là, alors nous faisons des efforts en plus pour nous supprimer cette habitude là. Ça, en ce qui concerne planification, nous avons des affaires, nous l'étons. Et planification, nous l'osons. Nous faisons un budget pour Ramadan. Dans Ramadan, nous avons dépenser plus. Nous avons faire plus beaucoup de sadaqa. Nous avons dépenser plus l'eau nos familles. Nous besoin dépenser plus l'eau bandi mon misère, nous besoin faire plus beaucoup sadaqa comme Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. On nous connaît les une extrême générosité et dans Ramadan les vient encore plus généreux surtout quand il a modara sa Coran. Alors ben ulama explique nous qui quand nous restons en contact avec Coran, alors nous l'état changé, nous vient encore plus bon. Donc par exemple si nous généreux, nous vient encore plus généreux. Prochain hadith 1224, c'est un hadith qui nous finit là. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, rapporté par Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr, quand dernier, ça veut dire il met point 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 ici, ça veut dire al-ashr al-awakhir min Ramadan, ça veut dire quand dernier 10 jours dans Ramadan tu rentrais. Ahya al-layl, les types du bout de faire ibadat la nuit entière. Donc, encore une fois, moi explique-le. Nous apprenons dans le chapitre Qiyam al-layl, Tahajjud, qui Rasoul sallam, c'est un moment où tu peux dormir et c'est un moment où tu lèves. Il te recommande aussi la méthode de Sayyidina Daoud, alayhi salam, commencement la nuit, il dormit, la moitié de la nuit, un tiers la nuit, il lève, il fait ibadat, là, ça, un sixième qui restait là, il redormit, là, Fajr, il relève. Comme ça, nous connaissons que Rasoul Sallam est allé, il peut dormir, il peut se lever. Donc, il peut faire ibadat dans la nuit et il peut dormir aussi. Mais dans 10 derniers jours de Ramadan, il ne peut pas dormir du tout. Ahya al-layl entier. Ça veut dire qu'il peut lever
et tu peux éveiller, faire ibadat la nuit entière. Wa ayqadha ahlahu, et il tu peux lever sa famille aussi pour lui faire et pour faire ibadat. Il tu peux lever sa famille aussi pour faire ibadat. Donc ça 10 derniers jours Ramadan là, les plus encore les spéciales. Alors il y a une préparation spéciale pour faire. Wa shadda al-mizar, et il tu peux attacher le izar bien. Alors moi t'expliquer qui veut dire ça, ça veut dire il tu mets lui dans poté pour faire ibadat. Alors ici pas tu peux faire sur une activité normale qu'il fait en dehors Ramadan. Ou soit dans les autres jours, ça 20 premiers jours Ramadan là, 10 derniers jours là, les différents, ça veut dire qu'ils réservent lui sur la nuit complètement pour faire ibadat. Donc ça montre nous que 10 derniers jours Ramadan, c'est 10 jours spéciaux, 10 la nuit spéciale, que nous faisons quelque chose de spécial là-dedans, nous faisons des efforts en plus là-dedans. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Gagne Ramadan, les bénis-nous dans Rajab, dans lequel nous étions, dans Shaaban, qui peut venir, et les fais-nous joindre Ramadan. Et qu'il y fait nous vivre plus bon du monde dans Ramadan, nous améliorer plus qu'il y en ce qui concerne nos relations vis-à-vis Allah et nos relations vis-à-vis bon du monde qui nous dépense plus, nous vivre plus généreux, nous vivre plus bon, ce qui nous était, qui nous élimine nos bons défauts qui nous est là et qui nous vivre encore plus proche avec lui dans 10 derniers jours Ramadan, lui donne nos tawfiq, faire ibadat plus bien et qui sa Ramadan qui vient là, lui vivre meilleur Ramadan et à chaque fois. Chaque Ramadan qui vient, il vient plus bon qu'il précédent. Et à chaque Ramadan, nous venons dans des gens qui sont spiritually upgraded, comme on dit. Nous sortons dans les meilleurs gens qui nous étaient avant Ramadan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallillahumma ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.